Hey, salut toi! Aujourd'hui, je t'apprends à faire des perles pour ton bubble tea. Et si tu ne sais pas ce que c'est un bubble tea, c'est simplement du thé et des petites perles de fruits. La recette est très simple, on n'a besoin que de 4 ingrédients. Le premier ingrédient, ce sont les perles de tapioca qu'on appelle aussi perles du Japon. On va en mettre 25 grammes. Ensuite, on va ajouter du sucre, encore une fois 25 grammes. Pour que les perles puissent cuire, on va ajouter de l'eau. Donc là, j'ai pris 300 grammes. Et pour leur donner leur goût fruité de mangue et de passion, j'ai pris du coulis mangue passion du coup. Mais vous pouvez prendre le coulis de votre choix et donc j'en ai pris 50 grammes. Et maintenant, on va mettre ça à cuire sur feu très doux pendant 30 à 45 minutes environ. Et donc pour réaliser un bubble tea, c'est super facile. On fait infuser du thé et on ajoute les perles du Japon. Bon là ensuite vous en ajoutez autant que vous souhaitez, vous n'avez plus qu'à mélanger. Et voilà, votre bubble tea est prêt. Oh, c'est trop bon. Je sais pas si c'est le mélange qui va bien ensemble, mais putain, j'aime trop. En fait c'est trop bon. Ah j'adore, c'est très très bon. C'est vraiment très bon.